Est-ce rien que le seul chimiste, tu m'entends bien là ou quoi? Ouais, c'est parti. Ok, c'est bon. T'en mets un peu plus fort dans le casque, s'il te plaît. Vas-y, c'est parti. C'est bon la voix là? Ouais, c'est bon. Un cœur d'enfant dans un corps d'un quart de siècle, élevé de piècle de nuquant, car choqué par un bruit changement de décor. Frère indigne, depuis qu'a tiré dehors. Après 12 ans de loyaux services, il s'éloigne pour mieux revenir ensuite. Contenir sa hargne, vice prodigue, sa famille réduite. Donc la soigne, cet apprenti à jouer les jeunes abrutes. Il privilégie le rap plutôt que l'école pour déboucher sur des scènes abouties. Il avoue la suprématie d'une croyance sur une autre. Autrement dit, met l'accent sur la tolérance. Son Dieu est amour, respect. Les familles lui c'était complexe parce qu'il les confondait avec sa mère. Son lieu de naissance est Genève, cette riche petite ville suisse dans laquelle il nage. Dans le paradoxe en marge, mais n'a pas de quoi se plaindre. Nardo, celui qui s'enflamme et n'est pas prêt de s'éteindre. Ou l'histoire d'un homme, avant l'histoire il y a l'homme. Et après l'homme reste son histoire. Ou l'histoire d'un homme, avant l'histoire il y a l'homme. Et après l'homme reste son histoire. Ou l'histoire d'un homme, avant l'histoire il y a l'homme. Et après l'homme reste son histoire. Ou l'histoire d'un homme, avant l'histoire il y a l'homme. Et après l'homme reste. Renardo, un ardo, parmi tant d'autres qui en a pris dans les côtes, mais passer de la parade dans le sac à l'eau à coups. Cahier, stylo, les hostiles n'ont qu'à bien se tenir. Ils ignorent encore son nom, mais vont s'en souvenir. Pseudonyme inattendu, dû à un malentendu, concordant parfaitement grâce à des similitudes avec un autre orphelin, portant le même blase. Pourtant timide, pour lui s'affirmer est important. La musique lui a apporté ce don. Il manquait, aujourd'hui encore, il tente d'être à la hauteur de ce don. Et c'est dans la persévérance qu'il trouve son compte. Continue même quand ses confrères cèdent à l'abandon. C'est le début d'une aventure intérieure, d'un combat pour la victoire. Revanche sur les défaites antérieures, une envie de croire, ne serait-ce qu'en soi. Réaliser un rêve passe par une remise à l'endroit. L'histoire d'un homme, avant l'histoire il y a l'homme. Et après l'homme reste son histoire. Renardo. Ou l'histoire d'un homme, avant l'histoire il y a l'homme. C'est ce qu'il fait Renardo. Il parle de lui à la troisième personne du singulier, pour avoir plus de recul, que ce soit artistiquement ou même humainement. Il recherche toujours la meilleure formule, ce qui implique des changements, des échanges, des troubles du comportement. Mais il n'est pas bien méchant, non. Ce jeune adulte voyage à travers les âges, maître du temps, se catapulte au-delà des frontières matérielles, des barrières mentales et autres obstacles terrestres. Il reste néanmoins accroché tout en tentant d'approcher une existence en sobriété. Il l'année un doute quant à sa personnalité, cache sa folie, garde sa sagesse, et exprime de temps à autre, si possible à bon escient, à bon entendeur, Renardo pour vous servir.